Glissement de terrain mortel au Mexique. Dimanche, au moins 38 personnes ont trouvé la mort dans l'état de Puebla, dans le centre du pays, et dans l'état de Veracruz à l'est. Une quinzaine d'enfants font partie des victimes. Ces glissements de terrain ont été causés par des pluies torrentielles provoquées par la tempête tropicale Irle. Dans l'état de Puebla, c'est une colline qui s'est carrément effondrée, engloutissant tout un quartier, dans un village à 200 km de Mexico. 200 rescapés ont dû être évacués. Après une courte accalmie, le Mexique risque de subir de nouvelles pluies diluviennes ces prochaines heures. Javier, une tempête tropicale qui s'est formée dans le Pacifique, est attendue à l'ouest du pays. Les services de météorologie ont lancé plusieurs alertes. Les habitants ont été mis en garde contre les risques de débordement des cours d'eau et face au danger de la navigation en mer.